Voici quatre armes qu'il faut avoir pour réussir au XXIe siècle. Bonjour et bienvenue dans la meilleure canal pour devenir une star. Tarif TV, c'est la scène des stars. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes libre de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, let's go, Flowwork. Un jour, un savant m'a dit qu'au XXIe siècle, il faut avoir les quatre armes pour réussir. C'est-à-dire, il faut maîtriser les outils informatiques. Le temps que tu passes sur WhatsApp, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, peut vous aider à améliorer dans votre domaine. Il faut maîtriser, par exemple, l'informatique bureautique. Il faut savoir saisir les textes, créer des CV, créer des documents administratifs. Et tout ça, aujourd'hui, il est automatisé et disponible grâce à Word, Excel, PowerPoint. Il faut maîtriser ces outils-là si tu veux avancer dans votre travail. La deuxième chose, c'est la communication. Il faut savoir communiquer. Pour rédiger un bon CV, pour rédiger une bonne lettre administrative, une bonne lettre de motivation, il faut apprendre comment structurer les textes, comment écrire sans faute, comment communiquer aujourd'hui. Il faut savoir négocier. Et en négociant, on le fait avec la communication. Savoir parler avec votre chef d'entreprise ou bien le recruteur, ce sont des domaines très importants à maîtriser. La troisième chose, c'est la conduite automobile. Aujourd'hui, il faut savoir conduire. Ne te reste qu'avoir un permis de poids léger, c'est important parce qu'aujourd'hui, ça peut t'aider, par exemple, lorsqu'on vous embauche dans une entreprise, de vous donner un véhicule. C'est un moyen de transport très important. La quatrième et dernière chose, c'est la langue anglaise. Aujourd'hui, la langue numéro un sur le business et dans le monde entier, c'est la langue anglaise. Partout où vous allez dans le monde, on parle l'anglais. Donc, le français, ça reste au Sénégal. En dehors du Sénégal, le français, ça sert à rien. Si tu veux réussir, même dans le business, il faut maîtriser la langue anglaise parce que les plus grands moyens sont exprimés en français. C'est-à-dire, en business, sur les sciences, tout est écrit en anglais. Si tu veux savoir les secrets, il faut apprendre l'anglais. Et même les Français, ils aillent aux États-Unis pour copier le même système, par exemple, concernant les supermarchés, tels que Auchan, Jumia. C'est parce qu'ils ont copié les McDonald's, hein, les Amazon, pour être à ce même niveau. Il ne faut pas envier les Français, il faut envier les Américains.